الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبخصوص إن شاء الله تبارك وتعالى نتابع القراءة على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. وبخصوص ندخل كتاب جديد dans le jardin de vertu tiré des paroles et des propos du meilleur des messagers رسول الله صلى الله عليه وسلم de l'auteur الإمام الحافظ أبو زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Nous sommes arrivés à un nouveau bab. Nous sommes toujours dans la lecture du livre Kitab al-Fada'il, du chapitre Kitab al-Fada'il, le livre des mérites, les mérites des actes. Et nous sommes arrivés à un nouveau bab. Ce bab qui est باب فضل الصلاة الجماعة chapitre du mérite de la prière en groupe chapitre du mérite de la prière en groupe. قال الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بالسبع وعشرين درجة متفق عليه. Donc, selon Abdullah ibn Umar, رضي الله عنهما, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, la prière en commun dépasse celle qui est faite par celui qui est seul, de 27 degrés, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith, d'après Abu Hurayrata, radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurayrata, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi souqih 25 du'fa. Wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana al-wudu' ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه وهذا اللفظ البخاري. Selon Abu Huraira, رضي الله عنه, le messager d'Allah, صلى الله عليه وسلم, a dit, la prière d'un homme en groupe est 25 fois meilleure, supérieure, à sa prière qu'il fait chez lui ou dans son magasin. Cela pour diverses raisons. S'il fait ses ablutions de façon parfaite, puis sort en direction de la mosquée, en ayant d'autres desseins que celui d'effectuer sa prière, il ne fera aucun pas sans qu'Allah ne l'élève par cela d'un degré et qu'il ne lui efface un péché. Et s'il prie, les anges ne cessent de prier sur lui tant qu'il reste en état de pureté, en disant « Oh Allah, prie sur lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. » Et il ne cesse d'être en prière tant qu'il attend la prière. Ça, c'est une partie aussi du hadith qu'on avait vu dans les cours précédents concernant le fait d'attendre la salah. Un chapitre du mérite d'attendre la prière. Fadl al-intidhar al-salah. Oui, هذا الحديث النووي رحمه الله تعالى ورد هذا الحديث في باب فضل الصلاة الجماعة. L'imam النووي رحمه الله a mentionné ce hadith, comme on a dit, dans le chapitre du mérite de la prière en groupe. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi donc? C'est l'accent sur les mérites de la salah, ses degrés, ses récompenses, lorsqu'elles sont effectuées en groupe. L'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, donc, yurid bidhalik, bayan fadl salati ma'a al-jama'a. Donc ici, l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, il veut mettre en évidence le mérite de la prière en groupe. Comme quoi les meilleurs, وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات. Il faut savoir que les ulama sont tous d'accord
قد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة surtout de la prière en groupe est min afdal al-ibadat, partie des meilleures ibadat. On se rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on l'a interrogé, on lui a dit: quel est l'acte le plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها. La prière lorsqu'elle est faite directement en son temps, c'est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. Et lorsque l'on jamaa, encore plus encore, subhanallah. Tamam, jayyid. Donc les ulama ittafaqu ala hadha. Il y a consensus sur la question. Unanimité que la prière en jamaa من أفضل العبادات وأجل الطاعات لكن ما اختلفوا ils ont divergé هل هي السنة أم واجب أم شرط لصحة الصلاة est-ce que c'est سنة est-ce que c'est واجب est-ce que c'est une condition de validité de la صلاة donc il y a plusieurs paroles. Si on dit que c'est une sunna, si on dit que c'est une sunna, qu'est-ce que cela implique? إن قام بها الإنسان أثيب على ذلك وإن تركها فلا إثم عليه. فلا إثم عليه. Cela signifie que prier en jama'a, c'est bien, c'est mieux. S'il ne prie pas en jama'a, il ne s'expose pas à un châtiment ou à une punition quelconque. Si nous disons qu'elle est wajiba, alors qu'est-ce que ça implique? Cela veut dire que yajib ala l'insan an yusalli ma'a al-jama'a fa in lam yaf'al fa huwa athim wa salatuhu sahiha. Ça veut dire qu'il lui est obligatoire de prier en jama'a et que s'il ne le fait pas, parce que là il commet un péché. Il commet un péché. Mais sa prière elle reste valable. Elle reste valide, pardon. On dit que si on dit que la prière, c'est la jama'a, c'est une condition de validité, implique quoi donc? Qu'est-ce que cela signifie? أن الجماعة شرط لصحة الصلاة وأنه إذا لم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة. Cela signifie que s'il ne prie pas en jama'a, sa prière elle n'est pas valide. ولا تقبل منه, elle ne sera pas acceptée de lui. والله المستعان. Et c'est la vie qui a été choisie par Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Cheikh ibn Taymiyyah, c'est la vie qu'il a choisi. Et c'est également une des riwayas de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, « Anna l'insan ila salla wahdahu bidunia ubrin shara'i, fa inna salatahu la tuqbal. » Que celui qui prie seul, sans aucune excuse shara'iya, sa prière n'est pas valable. Il est à l'instar de celui qui prie sans wudu. لكن ماذا يقولون الشافعية؟ لأن الذين يهمون في الأمر قالوا الشافعية في الموضوع. ماذا يقولون الشافعية في هذا الباب؟ Que disent les Shafi'iyya à propos de cette masala? لأن الذين يهمون في الموضوع. Ce qui nous intéresse, c'est quoi donc? C'est ce que disent les Shafi'iyya. تمام؟ سيسو كديز الشافعية sur la question. الشافعية يقولون أن صلاة الجماعة عليه فرض كفاية. صلاة الجماعة فرض كفاية. وهذا هو الأصح في المذهب. وهذا هو الأصح والمعتمد في المذهب. قلت خيرا ما أسكبجير القاضي الإمام الفقيه القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى دصون رزمي مختصر أبو شجاع في المتن غاية والتقريب حينما قال فصل في صلاة الجماعة والصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام إلى آخره. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. ها؟
هكذا قال. Comme quoi, c'est une sunna fortement recommandée, appuyée. لكن لا, الصحيح, المعتمد, كما ذكر ذلك أيضا, كذلك النووي رحمه الله تعالى, الإمام النووي نفسه وغيره, وغيره, أن المعتمد والأصح, c'est la salat al-jama'a, les fardu kifaya, et non pas fortement recommandée. هذا هو الأصح. Et on se rappelle que parmi les mustalah du madhab, lorsqu'ils disent al-asah, ça signifie que le khilaf il est qawi fil madhab. Le khilaf il est qawi fil madhab. Le kalam fard sunna mu'akkada, c'est un kalam qui est qawi fil madhab. Lakin al-asah, l'avis prépondérant, c'est que c'est uniquement fard qui faille. Idan, هذا هو القول. القول عند الشافعية والراجح في المذهب دونك سي لا في الشافعية اي لا في لو بلو جوست دون في المذهب طيب اي لو فات دو دير كو لا بريير que celui qui prie tout seul, etc., bidouni ouvrin shara'i, il a akhiri sa prière, elle est batila, etc., il a akhiri hi. Alors, quel est le qawlun marjouh? Qawlun marjouh. C'est un avis qui ne peut être un avis mu'tamad. Le hadith d'Abdullah ibn Umar, radhiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on l'a lu juste avant, salatul jama'a, أفضل من صلاة الفضل بالسبعين وعشرين درجة. La prière en jama'a est meilleure que la prière faite tout seul. Elle la dépasse de 27 degrés. تمام؟ ووجه الدلالة أنه لو كانت صلاة المنفرد لا ثواب عليها الصحة المفضلة ولكن يأثم. ولكن يأثم الإنسان. Ici dans le hadith, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si la prière al-munfarid, de celui qui prie seul, elle est batila, dans ce cas-là, elle n'a pas de récompense. Or ici, s'il n'y a pas de récompense, à quoi bon dire qu'elle est meilleure de celle-ci de 27 degrés? Et d'attester qu'il y a une prière en plus. Salat al-fadl al-jama'a, afdal min salat al-fadl. Donc là, on affirme, le prophète atteste que al-fadl, lahu salat. الفضل له صلاة لو كانت باطلة ما عنده شيء تمام ما عنده شيء لكن أثبت النبي أثبت الشرع وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له صلاة pourtant il affirme bien qu'il a une prière la prière de celui qui prie seul صلاة الفضل etc هذا هو تمام على كل حال هذا الحديث nous montre quoi donc l'importance de prier en jama'a. Le salaf, quand il ne priait pas en jama'a, quand il ne priait pas en jama'a, subhanallah, pour eux, c'était une journée dans laquelle ils n'avaient pas prié en jama'a, c'était une journée noire. Allahu Akbar. Ils avaient de la tristesse, du huzn. On rapporte de imamuna. Nasir madhab l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. L'imam الموزني إسماعيل ابن يحيى الموزني رحمه الله تعالى on rapporte de lui que lorsqu'il loupait la prière en jama'a il effectuait cette prière 27 fois الله أكبر تصور il répétait cette prière 27 fois En raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-jama'a, afdal min salat al-fadli. Elle est meilleure de la prière que la prière. La prière en jama'a est meilleure que la prière de celui qui prie seul, de 27 degrés. Bissab'a wa 20 daraja. Donc qu'est-ce qu'il faisait l'imam al-Muzani? Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Il priait 27 fois. Allahu Akbar. المهم
voit bien donc comment l'importance, encore une fois, de prier en jama'a. Les mérites de la prière en jama'a. Et que la prière en jama'a, de l'effectuer dans le masjid. Bien que cela ne soit pas forcément un charte pour un des chafi'iyya. Mais que cela ne soit pas forcément une condition. Le muhim, c'est salat al-jama'a. إذا صلى الإنسان مع الجماعة حصل المطلوب وحصل المقصود لكن الأفضل في المسجد في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب رواه مسلم. سنة أبو هريرة il rapporte qu'un homme aveugle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ô messager d'Allah, je n'ai pas de guide qui puisse me mener jusqu'à la mosquée. Je n'ai pas de guide qui puisse me mener et me conduire jusqu'à la mosquée. Il demanda alors à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui permette exceptionnellement de prier chez lui, chez lui, et il lui dit Naam. Et il lui permit par Afwan. Il lui a permis cela. Mais lorsqu'il allait partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappela. Et il lui dit, entends-tu l'appel à la prière? Il répondit, Naam. Il dit alors, réponds-y. Rapporté par Muslim. Ici donc, quand on regarde là, les trois hadiths qu'on a mentionnés, Abdullah ibn Omar et les deux hadiths d'Abu Huraira, concernent la prière en groupe en jama'a. Pas de souci. Donc, à travers laquelle, donc, Allah tabaraka wa ta'ala augmente à chaque pas les bonnes actions de celui qui se rend au masjid pour l'effectuer et diminue ses mauvaises actions et l'élève en degré. Donc, un musulman doit persévérer dans son accomplissement car elle permet de s'opposer au munafiqoun et elle est meilleure que la prière qu'il effectue seul chez lui de 25 ou 27 degrés. Il n'y a pas de contradiction dans cela. Car les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli hal, ils n'ont pas de limite. De plus, les anges ne cessent d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui a prié en groupe à la mosquée, tant qu'il reste à sa place en état de pureté. Il est en état de prière. Et ils disent, donc les malaïka, ô Allah, pardonne-lui, ô Allah, comble-le de ta miséricorde. Comble-le de ta miséricorde. Avec. Avec également le dernier hadith. Avec le dernier hadith concernant Ar-Rajul Al-A'ma, l'aveugle, on voit ici quoi donc? L'importance de se rendre au masjid. Ila baytillahi tabaraka wa ta'ala. Et on voit aussi également la fa'ida, c'est quoi donc? C'est que Al-Ibra, dans le hadith, que l'ibra, ce qui est pris en compte dès que ce soit avec ça, sima' un nida. Sima' un nida. Le fait d'entendre l'appel à la prière. Mais attention, les ulama, les fuqaha, ils ont mentionné un point important, les ulama, les contemporains. Parce que ce n'est pas une mas'ala qui était bien sûr, qui était évoquée à l'époque. Les contemporains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui, certes, c'est entendre la dan. Lakin sima' al-nida al-mu'tad. Entendre la jeune normale avec la voix, simplement à la voix, et non pas avec les micros et les haut-parleurs. Cela forcément, le son de la voix est décuplé. Donc pas forcément, la voix atteint des contrées qu'elle n'aurait pas pu atteindre à l'époque au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans ses outils. Donc ici, ce qu'il faut prendre en considération dans ce hadith, lorsqu'on dit c'est entendre la jeune, ce n'est pas celui qui entend l'adhan comme aujourd'hui il est formulé à travers les microphones. Non, c'est un adhan
normal, adi, l'insan, il monte en haut, sur son minaret, ou peu importe, et il fait la vanne, avec sa propre voix, hakada, sans aucun outil. Il a akhiri, tamam, hada huwa. طيب الحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا المقدار ان شاء الله تبارك وتعالى ونصرف له باذن الله عز وجل اون فيرا لا سويت ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم اون فيرا سو كي ريست دي شابيتر اي دي احاديث دي بروفيت صلى الله عليه وسلم concernant ce point à savoir le fait de prier en jamaa'a والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين